lutte contre le racisme et plus largement la lutte contre toute forme de discrimination est intrinsèquement partie du projet républicain, c'est-à-dire de l'exigence humaniste héritée des Lumières, de cette aspiration à l'universel qui postule que chacun, avec sa part propre, contribue à l'aventure et à l'émancipation humaine qui profite à tous, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Alors, mes chers collègues, le bon chemin de réflexion est-il de supprimer un mot ou de penser un projet? Pensez-vous que la disparition légale du mot emportera avec elle la peste brune du racisme? Et cette peste, pour rappeler à nos souvenirs l'œuvre magnifique de Camus, cette peste n'a pas été éradiquée. À la faveur des difficultés, des inquiétudes, des obstacles à l'espoir, aux aspirations des uns et des autres qui font craindre la différence et l'altérité, qui font naître la peur de l'inconnu et qui accueillent les appels au communautarisme et à la haine ordinaire, la peste gagne du terrain. Cette façon de reporter sur les autres la peur et l'incertitude que l'on porte en soi est sans doute le pire des fléaux. Et encore à bas bruit, mais déjà bien visible, il gagne dans notre pays, mais aussi à nos frontières, dans ces pays amis qui sont le berceau de notre civilisation. La Commission consultative nationale des droits de l'homme a d'ailleurs récemment pointé, je cite, une inquiétante montée de l'intolérance, je cite toujours, dans une société française plus perméable au phénomène de racisme, une société segmentée en proie à une importante crise identitaire. Alors bien sûr, la lutte contre le racisme doit concentrer tous nos efforts. C'est une lutte difficile qui renvoie à tant de facteurs personnels et collectifs. S'aimer, disait Jean Anouilh, c'est lutter constamment contre des milliers de forces cachées qui viennent de vous ou du monde. Voilà pourquoi la discussion que vous nous proposez aujourd'hui est à la fois révélatrice et nécessaire, mais aussi discutable. S'il fallait traiter de ce mal républicain, alors il nous fallait un débat qui mobilise toutes les forces républicaines, toutes les aspirations qui parcourent avec leurs nuances les travées de cet hémicycle, et bien au-delà de notre cénacle, parfois tellement confiné qu'il se perd dans ses propres mots et fait des mots des mondes. Oui, Monsieur le Président, merci. C'est un amendement de même nature qui vise donc à supprimer ce mot horrible de la Constitution de la République. Cela a été dit, il n'a strictement aucun fondement d'aucune nature et je crois qu'il est temps de débarrasser notre texte fondateur de ce mot qui n'a pas sa place. Voilà, Monsieur le Président, le sens de cet amendement.